Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, comme c'est désormais la tradition, aujourd'hui, le Feu Onanga va s'adresser en direct aux Gabonais. Mais avant cela, je voudrais montrer aux Gabonais une image. Voilà. Regardez bien, au fond de notre, au milieu, d'où sort le taxi, vous verrez un camion de police garé. Voilà. C'est comme ça qu'on vit ici. C'est comme ça le MPR. Tous les jours, nous sommes encerclés. Tous les jours, nous sommes épiés. Tous les jours, nous sommes intimidés. Voilà. Donc, j'attends que les gens s'en ajoutent. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Dites-moi que le son est bon. Faites des petits commentaires. Et une fois que vous serez prêts, le Feu Onanga s'adressera à vous. Bonjour, je suis Fefe Onanga, président du MPR. Avant de commencer mon propos, je vais d'abord demander une minute de silence en mémoire de la résistante Cathy, morte en France. Je vous remercie. Bien, comme il est de tradition tous les samedis maintenant, j'essaie de m'adresser à vous en faisant des directs par les méthodes de la nouvelle technologie. Vous êtes sans ignorer que nous sommes interdits de parler, de tenir des meetings, tenir des causeries politiques ou des matchs au Gabon. Nous faisons avec les moyens qu'on a. Il y a un adage gabonais qui dit que les branches, que les singes disent en haut des arbres tombent sur le dos des éléphants. C'est pour cela, les semaines antérieures, je m'adressais d'abord aux vieux, parce que c'est des sages, ce sont eux qui peuvent faire entendre raison à la jeunesse. Parce que pour nous, cette jeunesse qui est sacrée, au lieu d'être sacrifiée, mais j'ai comme l'impression que la jeunesse ne suit pas. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais m'adresser à Chambry et Barreau, à Mukanyi et à Moulomba. Ces trois jeunes étaient pleins d'avenir. Le peuple gabonais comptait sur eux, mais je crois qu'ils ne connaissent pas encore la politique. Quelqu'un disait que la politique est une science, une exacte, où l'homme devient loup pour l'homme. En politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Je ne sais si c'est la souffrance qui fait à ce que ces gens-là, aujourd'hui ils sont noirs, demain reviennent blancs. C'est pour cela qu'ils font cela. Mais moi, ça me tournerait surtout en ce qui concerne Chambrier. Chambrier est né, comme le disait quelqu'un, avec une cuillère d'or à la bouche. Il est né sous le climatiseur. Il a grandi au climatiseur. Il a appris dans les plus grandes écoles et il a travaillé dans des grandes sociétés et des grandes entreprises comme la Banque mondiale. Donc, il est de parents riches et aisés. On ne verra pas que c'est la souffrance qui fait en sorte que Chambrier accepte certaines propositions en tant que président du parti. Je suis surpris par le comportement de Chambrier qui, lui, ne sait pas discerner, faire la différence entre être avec le peuple ou être avec la majorité. Mais on ne fait pas la politique avec les riches, on la fait avec les pauvres. Et on ne fait pas la politique avec les cadres, on les fait avec les gens de la rue. Parce que ce sont eux qui sont concernés, ce sont eux qui vivent mal. Ce sont eux qui sont là pour suivre.
couvrir sur les affres de la politique. Comment Chambrier peut se permettre d'aller dans des élections organisées par Ali Bongo? Alors, est-ce que c'est la souffrance ou le manque de culture politique? Moi, je mets ça dans le manque de culture politique parce que ces derniers ne savent pas que ces vieux-là ne peuvent rien leur apporter. Ils sont là pour les détruire et ils vont continuer à les détruire. Qu'ils essayent de voir que bientôt sera les prochaines élections présidentielles et ils préparent déjà leur carte. Ce sont les mêmes qui ont fait en sorte que Amber, les mêmes techniques qu'ils ont employées avec Amo, ce sont les mêmes qu'ils emploient aujourd'hui avec Jean-Ping. Ils ont tenté de vider l'argent de Jean-Ping, le sécher pour qu'il ne puisse pas continuer son œuvre. Mais aujourd'hui, nous commençons par comprendre que les pays ont payé à courir. Chambrier avait le soutien de tous les Port-Gentils, de tous les Gabonais. Et lui-même, il sait que lorsqu'il était de passage ici, à Port-Gentil, avec son parti, il a reçu un accueil triomphal. Et c'est le seul, d'ailleurs, que les Port-Gentils ont bien reçu. Aujourd'hui, il est en train de voir les démissions en cascade qui se passent au sein de son parti. Ce n'est pas pour lui rendre heureux. Et dans d'autres provinces, peut-être parce qu'il n'y a pas de moyens de communication pour l'éteindre. Et là, c'est à l'avantage du pouvoir en place. Quant à Moulomba, Moulomba était à la plus grande école, celle d'être avec une éminente grande personnalité, qui n'est autre que Pierre Mamboudou, le défunt. Il a beaucoup appris là-bas. Aujourd'hui, il est tombé sur les mains de Jean-Pic. Je crois qu'il avait encore beaucoup à apprendre, parce que nous comptons sur ces jeunes-là. Ils n'avaient qu'à prendre mon exemple. Moi, je suis plus vieux qu'eux. Qu'est-ce que je gagne, moi? Qu'est-ce que je gagne dans tout ça? C'est pour eux qu'on travaille. C'est plus pour nous. Jean-Pic ne le fait pas pour moi, mais il le faisait pour eux. C'est des jeunes d'avenir, c'est des jeunes talentueux qui ont de l'aura et qui pouvaient, au moins avec nous, préparer les futures élections présidentielles. Mais hélas, quant à mon frère Moukani, c'est un juriste. Il a fait le droit, lui-même, il n'est pas droit. C'est dommage qu'il n'est pas droit lui-même comme le droit qu'il a appris. Moukani, en 2016, il venait qu'il n'avait pas eu des rapprochements avec Ali Bongo. Ali Bongo a montré les photos. Que à cela ne tienne, on a essayé de le gracier. On a dit bon gré, malgré cela, on continue de tenir. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ce monsieur est pressé dans les élections. Il a un parti. Pense-t-il que ce parti politique, peut quelqu'un voir un député, peut-être même. Je ne sais pas comment pensent les gens, je ne sais pas. Ou c'est pour vous-même que vous faites la politique, ou c'est pour le peuple. Si c'est pour vous-même que vous faites la politique, d'accord, ça, on comprendra. Mais si c'est pour le peuple, vous ne pouvez que prendre ce que décide le peuple. Le plus grand nombre a dit, on ne veut pas des élections. Mais vous, qui vous dites de l'opposition, vous dites, vous allez aux élections. Donc, vous travaillez conséquemment, vous travaillez pour vendre. Alors, je ne suis pas surpris que, à un certain moment, certains parmi vous changent de position. Quelqu'un disait hier que Julien ne gagne. Et vraiment, je confirme cela parce que l'ADN des opposants gabonais, c'est le changement. Il change à tout moment et à tout bord. Il suffit de rien pour que l'opposant gabonais change. Il suffit qu'on lui propose de l'argent, l'opposant change. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la souffrance. Moi, je souffre. Mais c'est tant mieux. J'ai choisi un camp et je reste là-dedans. Mais vous, vous avez des salaires. Il y a parmi vous des enseignants, il y a parmi vous des anciens députés, il y a parmi vous des anciens ministres, ce que vous avez fait de vivre aisément. Pourquoi vous changez de veste tout le temps? Pourquoi vous changez de veste? C'est parce que vous portez l'ADN de Jean. La trahison est de mise ici. Peu de gens, je dis bien peu des gens, sont conséquents avec eux-mêmes parce qu'ils prennent une posture, vont juste fond. C'est dommage, c'est dommage. Où est-ce que vous croyez aller? Les exemples en font les gens. Florentin Moussavou, il a été coopté par le parti, le PDG, pour tuer l'ADN. Conséquence aujourd'hui, on l'a pressé comme un citron à gérer le temps. Mouba Ziengui, ça n'en parlons plus. Celui-là, vraiment, il est au fond. La poubelle de l'histoire. Aujourd'hui, il fait des. Quelqu'un ne sait pas si ça s'est présenté au prochain.
participer aux Olympiques pour le compte du Gabon. 5000 mètres parce que mais les autres courent, lui courent en veste. Alors, ces exemples-là déjà devaient vous servir. Vous devez être conséquent avec vous-même, vous que ces hommes-là sont en train de détruire. Ces vieux-là cherchent à vous détruire parce qu'ils savent que vous avez de l'avenir et ils ne sont pas là pour vous blanchir. Et vous allez les faire des obstacles aux prochaines élections présidentielles. Parce que nous, nous sommes conséquents avec nous-mêmes. Nous savons que nous allons prendre le pouvoir. Et je vous le dis et continue à vous le dire, que Jean Ping prendra le pouvoir. Quelle que soit la durée de temps, Sogar ne pourra pas finir son mandat. Nous allons prendre le pouvoir. Ça, c'est un pays des gens pas normal. Comment voulez-vous que Madame de la Cour constitutionnelle, elle, prenne des décisions, le président de la République prenne des décisions, le gouvernement doit maintenant rendre compte, je ne sais pas, au Sénat. Alors, est-ce que ça, c'est un pays des gens normaux? Des gens normaux, pardon. Comment voulez-vous qu'on quitte d'un gouvernement de 30 et quelques membres pour se retrouver à 40 et quelques membres? Il y aura de l'argent pour payer les membres du gouvernement, mais il n'y a pas l'argent pour construire les écoles. Il n'y a pas l'argent pour mettre les médicaments dans les hôpitaux. Il n'y a pas l'argent pour les routes, mais il y en a pour les membres du gouvernement. Il y en a pour corrompre les gens du camp Jean Ping pour les amener avec vous. Mais alors, ça, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Le PDG est comme une équipe de football qui ne forme pas, mais qui recrute. C'est le moment. Quand tu trouves qu'il y a un bon joueur là-bas, du côté de l'opposition, il va, il met son argent, il prend le joueur pour être avec lui. Il le passe un moment et après, il le jette à la poubelle. Si vous n'arrivez pas à le comprendre que le PDG n'est là que pour vous détruire, et avec ces vieux qui font part du PDG, avec, qui traitent avec le PDG toutes les nuits, pour venir vous donner les grandes théories, la journée, vous tapez à côté. J'ai suivi les déclarations d'Oyemba, mais je suis surpris par ces déclarations. Parce que Oyemba sait que le PDG fonctionne comme ça. Il le sait autant bien que Miboto, le garde de l'Union nationale. De quoi se plaignent-ils? Ils n'ont pas à se plaindre. Ils n'avaient qu'à aller aux élections et on verra bien s'il y aura ces élections. Mais seulement je tiens à faire la précision suivante. Que nous comprennent bien que tous ceux qui ont accepté d'aller aux élections et qui étaient avec nous, quand nous prendrons le pouvoir, il est hors de question qu'ils reviennent. Nous n'allons pas les accepter. Nous allons leur faire la guerre. On a choisi un camp et on reste là-bas. Nous, nous sommes déterminés. On sait que nous prendrons le pouvoir. Quant à nos frères de la diaspora, nous vous disons bonjour. Nous sommes sereins comme vous l'êtes là-bas. Vous, nous ne sommes pas découragés. Tant que là-bas vous avez parlé, ici nous allons continuer à parler. Le moment venu, nous allons nous retrouver. Nous sommes sereins comme vous l'êtes. Et nous comptons et nous savons que nous allons prendre le pouvoir. Je vous remercie. Voilà, je vous remonte ce... cette image, comment nous sommes au MBR. Regardez, attendez. Ah bon, hein? Ils ont monté les fusils, raqué les fusils ici. Hein. Voilà. Donc, regardez bien. Là, regardez bien dans les camps. Voilà, une fois de la police. Donc, voilà. Ils sont très nombreux dedans. Hein. Ils sont nombreux. Nous aussi, on a fini notre travail. Nous, on a fait notre direct. C'est pointé. Comme ça, tous les jours. Voilà. Bon. Nous vous remercions pour avoir suivi le direct. Nous espérons que les sujets abordés vous ont convenu. S'il y en a qui veulent que nous abordions certains sujets ou qui ont des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à les envoyer inbox sur mon compte Messenger. Merci.